Bonjour, ouverture du vlog, nous sommes mercredi 8 février, il est 11h33. Alors, donc programme, aujourd'hui Eric ne travaille pas, donc nous allons partir un petit peu, prendre l'air. On va à Chartres, j'allais dire faire les soldes, mais non, c'est fini depuis hier. Mais déjà, pour les chaises de bar, faire du repérage, deux ou trois jolies chaises de bar. Vraiment prendre du temps tous les deux, voilà, sortir un petit peu de la maison. Hier, j'ai fait des petites emplettes. Très utile, notamment la poubelle de la cuisine, une catastrophe. Jack, comme il saute dessus, il la casse, mais il la fracasse. Et j'en ai acheté une. Alors, elle a des motifs, j'avais un petit peu peur, et finalement, je trouve qu'elle match pas mal. Hein. Voilà, des petits motifs un peu mosaïques. On a la pédale pour l'activer. Et ça, je suis obligée de le laisser en haut. Alors, je sais, ça fait beaucoup de motifs. Mais je trouve que ça passe pour avoir du poids parce que j'ai encore peur qu'il saute dessus. Ensuite, je suis passée Brico Leclerc, là où j'achète notamment mon gros scotch. Là, j'en ai pris 5 rouleaux, il m'en restait un. Ça, c'est uniquement pour la box de février, pour les cartons. C'est un budget. J'ai également pris 2 gros rouleaux comme ça de papier bulle parce que j'en ai un troisième juste pour emballer un des articles de la box de février. Box qui est... Attention, en commande jusqu'au 10 inclus, ça va aller ultra vite. Ne passez pas à côté de cette merveille papier de soie nouveau, des produits de top, magnifique. Et là-bas, je me suis également pris ces boutons. Si je m'en lasse, c'est pas grave, je switcherai. De toute façon, c'est le genre de bouton que je peux mettre partout sur pas mal de meubles. Moi, j'ai pas mal de consoles aussi. Regardez de près. Je le trouve très très beau. Il est 11h35, j'avais dit à Eric, on part grand max à 11h30, je l'entends, il est encore sous la douche. Je suis en train de me dire que j'ai toujours pas transvasé, je vais le faire maintenant, le temps qu'Eric finisse de se préparer. Hop, hop, c'est bien, c'est automatique. Mon boîtier de lunettes de soleil, mes fleurs de Bac, mon petit gloss, et ce pour quoi je l'ai également choisi, ma perche, hop, qui rentre parfaitement. On est arrivé, il fait extrêmement froid. On va aller manger au bureau. Regardez. Le sac. Bon, bah, effectivement, c'est blindé. Hein ? Oui, c'est les arrières de bureau. J'ai envie de me prendre une petite boisson sympa. Tu sais, comme l'autre fois, là. Oui, vas-y. Je sais plus ce que c'était. C'était des trucs vitaminés. C'est dans les mocktails. Ah, les mocktails, exact. Purée coco. CBD détox, salade, regardez, en parlant de ça, dedans il y a des lentilles beluga. Je tiens à faire une rectif efficace, et on s'est trompé effectivement. Le beluga là c'était des sturgeons qui ont des œufs et la baleine, je sais pas, je me suis trompée mais je me suis mal exprimée. Concernant, c'est dans mon dernier blog pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'ai froid, c'est délicieux, on le sent bien. On sent bien le coco, oui. Et l'ananas, ouais, j'aime beaucoup. L'Empire, Stet. Burger, ok, sympa. Et moi du coup, bah, je me suis pris ça en flamingue. C'est pas la VG, c'est chèvre miel. Alors, la flamingue, elle était pas ouf. Rien à voir avec la brasserie Madeleine à Tours, c'est dommage, là c'était pas terrible. Et Maison du Monde pour voir les chaises de bar éventuellement et puis peut-être une nouvelle co. J'en profite, ils ont coupé la musique. Je regardais pour les chaises de bar. Alors il y a deux chaises de bar, mais bon, c'est pas dans le délire que je voulais. Eric m'a rejoint, il était juste à côté. T'étais où d'ailleurs? À Sport 2000, t'as trouvé des baskets. Regarde, chaises de bar. T'as que ce modèle-ci, puis un autre. Ouais, non. Ah bah non, non. Alors j'ai vu des choses. Est-ce que je les ai achetées? Non. Vous avez vu, c'est la tendance, quand je suis rentrée, dégradée, pastel. Et à côté de ça, t'as aussi des couleurs très intenses, bleues. On voit qu'ils sont en cours, bah voyez par exemple là, ils sont en cours d'aménagement de la nouvelle collection. C'est clairement pas ici que je trouverai, qu'on trouvera les chaises de bar. Et je cherchais également, ah elle est jolie celle-là. Elle est belle cette étagère. Tu sais, oui, je cherche pour mettre. Tu te fous de moi là? Ouais, tu vois. Je connais le ton quand tu te moques de moi. Non, pas du tout. Non, mais tu sais, pourquoi pour mettre sur le meuble, le nouveau meuble, il manquait quelque chose et je trouvais ça joli. Oh, 159. Ah oui, quand même. Il faudrait nettoyer un petit peu. J'adore le côté dépareillé des chaises. Ouais. Mais non, mais c'est très beau. Ouais. Tu vois, la table est magnifique.
Ah bah si, il y en a là aussi. Moi non, j'aime pas. Là. C'est pas du tout ce que je veux. Alors il y a aussi problématique du chat, faut pas que ce soit non plus griffable. Il m'a montré ça. Non, c'est pas possible. T'aimes bien toi ? Bah moi c'est ce que je préférerais, tu vois. Ah ouais. Mais moi alors c'est pas du tout dans le délire que je voulais, quoi. Tu veux quoi ? C'est quoi que t'as pas un délire, rose, toi ? Un peu rose, poudré. Ah, tu ne parles plus. Non, mais il n'y a pas de souci. Regarde, dis-moi ce que tu en penses. Je l'aime tellement, celui-là. Je l'ai, à chaque fois, je le vois. Là. De quoi ? Celui-ci. Ah oui. Magnifique. Magnifique, mais 100 euros. Regardez les coussins. Je les aime trop, ceux-là. Gros coussins. Ils ne sont pas excessifs. Coussin plus hausse, 49. Parce qu'ils sont quand même très grands. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Eh ben, c'est bien la première fois qu'il n'y a pas de musique chez Maison du Monde. Bon, je n'ai rien pris, je suis restée raisonnable. Par contre, j'ai vu ce qu'il y avait à Nouvelle-Co et là, je suis dans la galerie juste à côté. Eric est chez Jules. Je vais peut-être faire un tour chez HM. Vous avez vu, j'en profite, franchement, ça fait bien le soleil. Oh, j'ai envie d'aller là, mais Eric, ça va le. Je peux aller vite fait voir chez HM. Bah, il y a la partie homme aussi là. Il n'y a pas un chat, c'est cool. Le miroir qui déforme, t'as l'impression que je fais 50 cm. Je suis sortie de chez H&M, il y a eu gros craquage. Eric m'a rejoint, j'ai pas compris. Je le montrerai à la maison. Si, je suis chez Naf Naf, et pareil, pour une fois, il n'y a pas de musique, et ça, c'est cool. Voilà, ça ne va pas assez joli, quoi, sur les autres. Les pantalons comme ça, cigarette. Au niveau pantalon, je galère à chaque fois. Elle est mignonne. Moi, je l'aime bien. Bon, je vous montre. Ça, c'est une robe en jean. Elle est très belle. Par contre, il y a un bouton. Il manque un bouton. Elle n'est pas donnée à 79, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je l'ai laissée avec le jean. Je vous recoupe Carrie qui le voit aussi. Vous voyez ou pas les épaulettes. J'adore. C'est sympa. Hein. Donc, j'hésite quand même parce que là, avec H&M, ça fera beaucoup. Et j'ai peur que... Non, remarque. Le truc, c'est ça, c'est que ça a sauté. Leur bouton a sauté, donc... je sais pas. C'est sympa, hein. Il doit y avoir quelqu'un, là, qui écoute un film. Ouais. Bref, je vais essayer d'appeler Eric. Alors, pourquoi tu pleures? Mais, oh... C'est ridicule. T'as vu les biches dans le champ? J'ai vu deux biches, et je sais pas, j'ai eu une image. Montre où elles sont, les biches. Là-bas. Elles étaient bien toutes les deux, et je me suis imaginé... Il y en avait une qui se faisait tirer par un... Chasseur. Ouais, et puis c'était... Et puis que l'autre se retrouvait toute seule, quoi. Bambi. On m'arrête, ça, je te jure. Oh, ça me bouleverse. Est-ce que tu veux qu'on floute ton visage? Tu veux qu'on les... Mais non, mais arrête, parce que tu peux pas comprendre. Moi, est-ce ça me... T'as bien vu à la télé. Des fois, je suis... Est-ce que tu veux qu'on les recueille? Mais c'est pas drôle. Ou la porte arrière, vont peut-être grimper. Pourquoi je suis sensible comme ça? Et elles avaient l'air bien, les bichettes. Bah, elles sont toujours bien, là, elles sont dans le champ, oui, là. Mais, je sais pas, j'ai eu un flash qu'il y en avait une qui allait être... Arrête de filmer, c'est pas cool. Je crois que je suis fatiguée. Non, t'es un peu à bout de nerfs, non? Pourquoi tu fais ça? Mais parce que c'est beau d'être sensible à ce point-là, pourquoi c'est... L'autre fois, tu te rappelles, il y avait une petite fille dans un chariot, je me suis mise à pleurer. Bah oui. N'importe quoi. Ouais. On va peut-être rentrer. Oui. Moi, c'est le ticket de caisse tout à l'heure à H&M qui m'a fait pleurer. Tu vois, c'est comme quoi on a chacun des trucs qui nous font pleurer. Hein. Montre aux gens un petit peu. Je sais même pas où. C'est le Far West. On est parti conduire. Regarde. On était en train de parler de trucs cool en plus et ça m'a pris d'un coup. Bah oui. On était bien. Est-ce que tu sais où on se trouve? Ben non, je te dis. Eh bien, écoute, on se trouve à peine à moins de 5 km de l'endroit où se situe l'intrigue du plus grand roman de toute l'histoire de la littérature. Ah, Marcel Proust. Eh bien, nous sommes donc à Illiers-Combray. C'est ça. Exactement. Ça fait pas pleurer, ça, les champs d'éoliennes? Non. Pas trop, non. Voilà. En fait, on est passé à Illiers-Combray, donc ce qu'on vous disait juste avant. C'était tellement... Moi, j'étais au téléphone avec la poste. C'était tellement... Il y avait tellement rien à voir. Hein, c'est ça? Que... Bon, on est parti. On n'a pas le droit de voir ta tête. Ma tête ne présente aucun intérêt, c'est bien. Bonjour. Petit chat. Oh,
je lui donne son petit goûter, enfin son goûter de 17h. Oui. Mais t'es pas sérieux? Il nous fait passer pour qui là? Mon enfin Jack. Mais il parle pas comme ça quand il est en train de t'engueuler. Dis-lui, c'est qui la maîtresse? Ceci, j'ai décidé que, attendez, je vous ferai un haul dans lequel je ferai un haul essayage, tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces. Donc ça vaut plus le coup. Déjà je vais enlever ça, je vais me poser et je vais me prendre une infusion. J'ai pas digéré, alors très honnêtement, parce que je vous l'ai pas vraiment dit, la flamine, si je vous l'ai dit, la flamine que je... très moyenne, franchement je l'aurais acheté à Leclerc, c'était la même chose. Et le café gourmand, il y avait une boule de glace, un petit gâteau mais tout petit sympa et une petite compote. Et la glace, très 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 chelou le goût, je l'avais identifié, Eric l'a goûté pareil, pas bon, barba papa, enfin bref, c'était pas terrible. Résultat, c'est quand même très cher. Parce que j'ai pas vraiment digéré en fait la flamincule, j'avais plein de noix. J'ai hyper soif du coup. Je vous réserve donc ça pour la prochaine vidéo. Hey, mais attends, sont mes lunettes. Je ne me rends pas compte si ce vlog sera suffisamment long. Mais dans tous les cas, voilà. Je vais donc arrêter maintenant ce vlog et vous retrouver demain ou après-demain pour les vêtements. Il y a vraiment de tout.